Bonsoir, il a fait très beau ce week-end avec même de la chaleur ce dimanche après-midi sur la moitié sud. Les prochains jours seront exceptionnels pour la saison avec le soleil qui va briller quasiment partout pour notre matinée et de lundi, seulement de la grisaille du côté et de la Bretagne pour le sud de l'Aquitaine et quelques entrées maritimes du côté et du Roussillon. L'après-midi, soleil pour tout le monde ou presque, un ciel souvent tout bleu et éventuellement quelques bancs de nuages élevés ou quelques cumulus de beau temps et peut-être quand même une averse du côté des régions alpines avec un risque d'orage en Corse où le ciel sera plus encombré. Les températures de votre lundi matin, encore un peu fraîches notamment sur les régions du nord, 6 degrés seulement pour la Champagne, 20 degrés déjà pour la Côte d'Azur et l'après-midi, carte exceptionnelle pour un 17 septembre avec pas moins de 26 degrés pour la Belgique, jusqu'à 29 degrés pour Rennes ou encore à Alençon, 30 degrés à Paris et à Dijon, 31 pour Orléans et pour Lyon, 32 à Bordeaux et 33 degrés dans le Pays Basque. La chaleur qui va perdurer pour la journée de mardi avec un franc soleil pour la moitié est, quelques passages nuageux attendus à l'ouest mais globalement le temps restera lumineux, possibilité d'une averse voire d'un coup de tonnerre à proximité des reliefs, les températures seront toujours très chaudes pour la saison, souvent comprises entre 26 et 30 degrés en cours d'après-midi. Mercredi on continue avec le beau temps, particulièrement entre l'océan et la Belgique, quelques passages nuageux pour l'est et pour le sud mais globalement le temps sera là aussi très lumineux et les températures toujours aussi estivales et très élevées pour la saison avec encore 25 à 30 degrés sur la plupart des régions. Jeudi encore du soleil et de la chaleur sur la plupart de nos régions, des températures exceptionnelles pour la saison, mais elles vont dégringoler pour la journée de vendredi avec une perturbation pluvieuse qui va parvenir à s'enfoncer sur le pays avec des pluies faibles à modérées, faisant donc dégringoler les températures sur les régions des deux tiers nord et puis on retrouvera des valeurs beaucoup moins élevées pour le week-end prochain. Pourtant, le beau temps devrait revenir a priori avec une hausse du champ de pression. On en reparlera quand même demain car il y a encore quelques incertitudes. Demain, nous serons le lundi 17 septembre et nous fêtons les Renault. Excellente soirée à tous. Et à demain.